Le mot performance est attribué dès 1839 à l'anglais performance. Il désigne le tableau des épreuves subies dans l'hippodrome par un cheval de course. Il contribuait à offrir aux parieurs les informations utiles sur ce dernier. Mais le terme est repris du moyen français à partir de 1571, performer. Il désigne l'accomplissement, la réalisation. Toutefois, pour apprécier la nuance du mot, il faut en appréhender la composition. D'un côté le préfixe par, devenu per, de l'autre le mot forme, du latin forma. Par, actualisé en per, dont l'origine grecque semble attestée par Péri, désigne à travers, pendant, autour, mais aussi de tout en tout, en dedans avec un mouvement. Le mot implique une spatialité locale tressée d'une temporalité. Ce mot, de par son principe du mouvement, va glisser vers l'idée de faire, puis de parfaire avec le latin perficere, bien terminer, accomplir un bon travail. Mais là encore, bon sera à prendre au sens du latin bonus, consciencieux dans ses actions, dans l'exercice de son art. Et art, lui aussi à considérer à partir du latin artus, qui désigne articulation, jointure, car oui, le mot art vient du mot orteil. Donc, performance, composé de forma, qui donne forme, qui produit, qui fait. Formo verba, articuler des mots. Forma personam, peindre un caractère. Le mot forma désigne dès son origine l'allure du corps, son maintien. Il induit le principe d'esthétique, la forme fluide, d'où la mise en forme, la reproduction, l'imitation de la forme existante, la manière d'agir conforme aux usages, la forme de l'esprit, donc les manières courtoises, autrement nommées les bonnes manières. Je, tu, il performe quand je, tu, il conduit de bout en bout la mise en forme d'une production quelle qu'elle soit. Une production d'art, une production d'esprit, une production physique, qu'elle soit corporelle ou matérielle. Je, tu, il performe quand la forme est façonnée entièrement, quand je, tu, il et nous aussi achevons, terminons, complétons ce qui a été amorcé. Alors, merveille de savoir que je, tu, il peut arriver le dernier dès lors que l'intensité, l'accomplissement, l'achèvement ont formé entièrement l'objet pensé.